Je veux inviter les propriétaires, Luc Saint-Don et Lise Jeté. On lui donne une main d'applaudissement. La tenue de cette conférence de presse est de vous faire le point sur les différentes rumeurs qui circulent sur l'avenir du Salon de quilles acadien. En effet, comme plusieurs d'entre vous l'aviez appris, nous, les actionnaires du Salon de quilles, avons signé une promesse de vente à un investisseur qui prévoit y opérer autre chose qu'un Salon de quilles. Depuis la saison dernière, plusieurs clients me demandaient si le Salon de quilles avait été vendu. En premier lieu, j'ai eu des discussions avec un groupe d'investisseurs dans le but d'y installer un marché d'alimentation. Une promesse d'achat a même été déposée en décembre dernier, mais en bout de ligne, la transaction a avorté. Il y a quelques semaines, à ma grande surprise, un autre groupe d'investisseurs m'a contacté et voulait acheter le Salon de quilles dans le but de le transformer et d'y installer un autre genre de commerce. Une annonce imminente devrait suivre bientôt là-dessus. À l'origine des négociations avec le groupe en question, il était convenu que les activités du Salon de quilles se termineraient en décembre prochain. Toutefois, les données ont changé rapidement et, sans accord possible, les nouveaux propriétaires ont exigé de prendre possession des lieux sans faute le 1er octobre prochain sous la menace de résilier l'entente. C'est donc avec un immense regret que je vous annonce que le Salon de quilles a dû mettre fin à ses activités régulières après 22 ans d'existence. Sachez que nous étions tenus, tout comme les acheteurs potentiels, à une clause de confidentialité obligatoire. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. En ce sens, je remercie mes employés Ginette Sourdif, José Courcel et Marcel Allard qui ont respecté cette clause. Ces derniers savaient que le Salon de quilles était sur le point d'être vendu, mais ne connaissaient pas les acheteurs potentiels ni les dates prévues. J'en profite pour le gratifier de leur travail des dernières années et leur souhaite la meilleure des chances pour leur projet futur. Je remercie aussi le maire de Saint-Jacques, M. Pierre Lassalle, pour son expertise et sa discrétion dans le dossier. Quelques-uns d'entre vous peuvent s'en souvenir peut-être. Il y a un peu plus de 22 ans, j'étais au même endroit, soit ici au devant des allées de quilles, pour en faire l'ouverture officielle. Cette décision d'affaire fut la plus difficile à prendre de ma vie. C'était un peu comme mon bébé. J'aurais bien voulu que le Salon de quilles acadien poursuive ses activités. Le commerce était en vente depuis plus de 4 ans et parfois dans la vie, nous recevons une offre que l'on ne peut refuser. Je ne voudrais pas quitter sans remercier ma fidèle clientèle. J'ai siégé sur le conseil d'administration des Salons de quilles associés du Québec pendant plus de 5 ans. Et j'ai travaillé fort pour le développement du sport des quilles. Mon souhait le plus cher est que tous les joueurs de quilles du Salon acadien poursuivent à pratiquer leurs activités dans un Salon de quilles de la région. En lien avec ça, nous pouvons vous remettre des coordonnées de divers salons et probablement que dans les jours à venir aussi, ils vont avoir des disponibilités pour vous autres. Donc, si vous avez besoin d'aide là-dessus, vous pouvez venir me voir. La nouvelle d'aujourd'hui me rend toutefois un peu triste. C'est cliché, mais j'aimais vraiment mon travail au Salon de quilles. Et je me suis fait, durant les dernières années, un bon nombre d'amis. Je vais sincèrement m'ennuyer de vous et j'espère qu'on pourra se voir régulièrement dans un autre contexte. Je me garde une pensée pour les golfeurs qui venaient y pratiquer leur sport favori sur nos simulateurs de golf virtuels. Merci d'avoir participé aux différentes activités de golf que j'ai organisées au cours des 6 dernières années. Je me suis fait parmi vous aussi de nombreux amis qui, je l'espère, le resteront longtemps malgré la situation future. Finalement, je me dois de remercier certains individus qui ont grandement contribué au succès de l'entreprise. Tout d'abord, le début de cette aventure a été beaucoup plus facile à réaliser grâce aux précieux conseils et à l'apport financier de mon père, Pierre Saint-Don. Je lui en serai toujours reconnaissant. Ce qui me chagrine le plus, c'est que, malheureusement, depuis quelque temps, sa maladie d'Alzheimer a beaucoup évolué et il ne comprendrait pas la situation. Ils ne vont lui épargner certaines annonces plus émotives. Je demanderai en avant mes enfants, s'il vous plaît. Mes deux enfants, s'ils veulent venir nous rejoindre. J'exploitais le commerce de façon familiale. Ainsi, mon fils Antoine y a travaillé à ses premiers pas sur le marché du travail.
Aujourd'hui, il s'oriente vers le monde de la santé comme infirmier. Merci, Antoine. Ma fille Stéphanie y a travaillé depuis son tout jeune âge et y travaille encore, en plus de son métier principal d'enseignante à la commission scolaire. Merci, Stéphanie. J'ai eu la chance d'avoir des employés des plus compétents et des plus fidèles et attentionnés au succès de l'entreprise. Au fil des ans, ils sont devenus un peu le prolongement de la famille. Merci à Marcel Allard, qui, depuis l'ouverture en 1995 jusqu'à l'an dernier, en 2016, qui a œuvré chez nous. Merci beaucoup, Marcel. Merci à Ginette Sourdif, qui, depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, a travaillé au Salon de quilles. Merci, Ginette. Merci également à José Courcelle, qui œuvre avec nous autres depuis 2006. Merci, José. Et finalement, il ne faut pas oublier notre petit dernier qui est venu remplacer Marcel la saison dernière, Michel Chapdelaine. Merci, Marcel, Michel, pour tous les services auprès de notre entreprise. Maintenant, je veux faire un merci spécial au responsable du programme junior depuis plusieurs années, Serge Landry, pour son dévouement auprès de nos jeunes quilleurs. Je voudrais que Serge vienne nous rejoindre ici en avant. Aussi, merci à mon grand ami, Mario Boucher, qui depuis l'ouverture aide souvent aux événements spéciaux organisés. J'aimerais ça que Mario vienne nous rejoindre, nous autres aussi. Merci à Raymond Arsenault, bon ami de la famille, qui aidait fréquemment mon père aux améliorations techniques et mécaniques. J'aimerais ça que Raymond vienne nous rejoindre en avant. Merci Raymond. Merci aussi à André Chaput, qui nous aide souvent aux menus travaux d'entretien à l'intérieur du salon de quilles. Viens nous rejoindre, André. Finalement, un merci spécial aux membres de nos familles respectives et à tous mes amis qui m'ont aidé aux différentes tâches aux réparations d'usage. Sans oublier l'immense apport de la copropriétaire, mon épouse Lise Jeté, était essentielle. Son apport était essentiel pour l'exploitation de l'entreprise. Souvent dans l'ombre, elle a réussi à concilier son travail d'infirmière-chef au CHSLD à Saint-Liguori avec ses tâches au salon de quilles. En terminant, le plus grand des merci à vous, ma fidèle clientèle. Puis j'espère tous vous revoir dans un avenir différent.